Et yo les petits potes, c'est Bricu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors les gars, aujourd'hui on va faire la deuxième partie du défi, voilà. Que la vidéo est sortie hier pour la première partie. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et c'est parti, donc là on est en triple XL, donc c'est ce que je vous parlais hier. C'est qu'en XL x3 j'ai beaucoup moins galère qu'en XL x2 puisque mon deck c'est beaucoup plus vite. Et je peux mieux spam les cimetières. J'ai pas besoin, tu vois, je peux me permettre de faire ça en first play, tu vois. Parce que je peux même les battre. Puisque j'ai ça, le gel. Voilà, on met un gel, j'aurais dû mettre le gel sur le MK. Et je pensais qu'il avait autre chose. Donc là, dans tous les cas, on a déjà le cycle, on a déjà le PK, donc c'est cool. Donc là, je pense qu'il va spam tout ça d'Aaron. Voilà, ça c'était prévisible. On va mettre un zap. Nickel, ouais. Ok, il va bien spam là. Je vais mettre une Valkyrie, les gars, ici. Parce que comme ça, je pourrais contre-attaque. Là, on va mettre juste un Niwiz pour aller gérer tout ça. Voilà, on peut. Merde, j'ai raté mon cimetière, bon, c'est pas grave. On va mettre un cimetière. Il remet un Mega Knight, d'accord. Non, le squelette, frère. Nique ta mère, le squelette. Bon, je vais une petite Valkyrie. Ici, on va mettre un électro-sorcier. On va mettre un sorcier tout court ici. Je pense ici, on va se taper un joli gel. Ouais, nickel, là, on a un beau gel. Le sorcier qui fait clairement le taf. Voilà, là on est sur un truc de type on a fait beaucoup de dégâts, on a fait plus de dégâts à gauche. Ok. Ça fait que ça n'a aucun sens, on a plus de dégâts à gauche qu'à droite. Ok. Donc le gars est niveau maxi, hein. Par contre j'ai jamais cassé ça, mais il est nul, genre. Là on peut mettre des bats, on peut mettre un cimetière. On peut mettre un joli gel ici. Pour tuer les deux mini PK, on va juste mettre un sorcier ici en mode balayeux coup. Juste pour prendre la tour. Ce qui fume, c'est qu'à chaque fois je prends un coup, genre. Ah bon, te calme sur le spam en fait. Oh, je suis dans la sauce là. Alors, faut pas qu'il meure. Et évidemment, il meurt. Là, on a un joli zap. On va repartir en cimetière sorcier. Là on a un joli zap, je pense. Ah, un joli gel. Voilà, nickel. Là en vrai on est extrêmement bien. Le sorcier. Oh là là, le sorcier. Je dis oui monsieur. Ok, donc là on va remettre un PK. Ok. Il préfère mettre un miroir. J'ai oublié cette possibilité. Là ouais, c'est mon deck qui va faire ça. Donc là on va partir sur un électro sorcier. Et les gars, là on va, je pense, perdre la tour. Non, je rigole. C'est un prank, les gars. Ouais, par contre, il spam les MK là, c'est bien chiant. Genre, les gars, il y a des MK partout sur la map. Ouais, voilà, je parle de MK. Il y en a un deuxième, allez, toujours plus. En tout cas, là, on a un électro-sorcier, les gars. Ça va faire le taf, hein, ça va faire le taf. Là, je vais remettre un cimetière en tous les cas. Je pense pas qu'il puisse faire quelque chose. Là, on peut remettre juste un petit gel, les gars. Et on va partir sur cette première win de cette vidéo, les gars. Cette vidéo va être plus longue, elle va durer sûrement une demi-heure. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Je vous dis tout de suite, abonnez-vous et like cette vidéo, ça m'aide énormément. Et puis voilà. Si vous voulez mon lien d'amis ou discuter avec moi pour me proposer des choses, je vous laisse aller dans le Instagram. Et voilà, donc là, on a un Hello Royal, 4 bombes tower, 28 colis et 5 zappies. Ok, on va partir sur cette deuxième game, les gars, contre Isaac de Los Mercenario. On va partir en bas. Iwiz, Valkyrie, cimetière. Là, je joue en mode balai couilles. Hein. Vraiment, là, j'en ai plus rien à foutre. On a un gel dans tous les cas. Bon, voilà, c'est l'occasion de l'utiliser. Tac. Nickel. Là, dans tous les cas, on a un PK pour aller gérer ce géant. Nickel, là on a la tour déjà, ça fait plaisir. On a géant cimetière en face, très très bien. On va mettre un électro-sorcier ici, il n'y a plus de géant. Il remet un deuxième géant, on va partir comme ça. Là on a un électro-sorcier, on va juste zap tout ça. Et là non, c'est l'électro-sorcier qui ne fait pas son taf. C'est pas trop grave, on va mettre un autre PK, on va pouvoir mettre un Niwiz. Et là les gars, on est officiellement dans la sauce. Donc là on va mettre un gel défensif. J'ai pas le choix en fait de mettre des gels défensifs, sinon je perds.
Là par contre ça va être le moment de spam un petit peu, c'est notre tour de spam, chacun son tour mec. Ouais c'est parti, wesh. Oh. Il prend ma tour là, on est d'accord qu'il prend ma tour, everyday. Ouais, le sorcier qui fait vraiment le taf, hein. Le sorcier je pense fait la différence dans le match-up. Ok donc là, c'est incroyable ce jeu mec. Il fait que spam depuis tout à l'heure. Ah c'est grave. Il y a le jambon beurre là qui vient de péter les couilles. Ouais, je perds quasiment la tour sur ça, hein. C'est un peu relou. Vite le PK. PK qui prend beaucoup trop de temps à venir et qui va pas suivre le géant, et ça c'est une bonne nouvelle. Là on va mettre juste un zap. Nickel. Là on prend la tour easy. On peut remettre ça, on peut mettre ça. Et je pense qu'il va nous prendre la tour aussi, hein, sauf que nous, on a un avantage, c'est qu'on a la troisième tour. Donc les gars, on a gagné cette deuxième game assez facilement. On va pas se cacher. Ok, c'est cool, c'est cool. Ok, coffre de foudre, les gars, qu'est-ce qu'on veut? On veut... Les archers, c'est ce qu'on veut. On veut pas du de glace, on veut de la mousquetaire. Hein. Voilà, là on veut du feu à gobelin. Allez, du feu à gobelin. Voilà, bah les gars, on a un bon coffre, les gars. C'est cool. C'est parti, on part sur cette troisième game, les gars. Contre Oxek, je suppose. De SPB. Ouais, d'accord, j'ai pas le temps. 2.0, qui nous joue un petit lockbait, ce qui est mon Heart Hunter, hein, c'est plutôt cool. Ok, là on va mettre un zap. C'est plutôt un zap bait, je pense. Ouais c'est un Zabbait les gars. Zabbait qu'on voit plus du tout dans la méta actuelle. Alors là, ouais. Alors, attends, calme. Calme-toi frérot. Détends-toi. Ouais, il vient de spam toute sa daronne. Oh wow, c'est chaud de spam comme ça. Hein. On va faire la même. Zébardi. Les gars, on a un beau pré-shoot. On peut mettre encore un gel. On va prendre la tour facilement. Ok, donc maintenant je sais bien ce qu'il joue. Faudra, le match-up là, il faudrait garder ma Valkyrie pour défendre parfaitement le fût à gobelin. Je pense qu'il y a un truc qui ne tient pas, c'est ça. Je pense ça, il ne s'y tient pas, absolument pas. On va pouvoir mettre ça, il a extrêmement bien joué. Putain, il a bien joué enculé. Alors, on va mettre un sorcier fond de map. Allez, le problème c'est que la Valkyrie, j'en ai besoin pour attaquer, j'en ai besoin pour défendre. Donc là je vais mettre un PK, nickel. Un sorcier qui reste en vie. Ouais, ça me fait un peu chier de faire ça, mais bon, regarde. Tac. Là on peut zap pour essayer de survivre un peu. On a le cimetière qui va faire très peu de dégâts. Pour l'instant, je cherche pas à faire beaucoup de dégâts. Ok, on va remettre un PK. Le but est juste de mettre la pression avec le PK, c'est pas de faire les dégâts. On va mettre un sorcier. Là, on va mettre une Valkyrie pour aller clean tout ça, parce que sinon, ça va faire bow-bow. Là, on va remettre le cimetière, on va remettre les bats, électro-sorcier, on va mettre un zap. Ok, là, on est vraiment bien. Ok. Le sorcier qui carry pas trop cette fois-ci, mais c'est pas trop grave. Et bah, du coup, on va remettre un sorcier. Il tente de me prendre ma tour, là. Hein. Hop, ouais, on va gel parce que je sais pas trop quoi faire. Ok, on va mettre ça. Nous, on va mettre un PK avec un électron sorcier en mode pas les couilles, mais vraiment, là c'est pas les couilles, Land. Ok, on va mettre un joli zap. Ok, le PK qui va faire beaucoup de dégâts s'il défend pas plus. C'est l'électron sorcier qui va faire les dégâts. C'est l'électron sorcier qui va faire les dégâts. C'est plutôt cool. Là, on va mettre juste des bases. Par contre, il commence à spammer des princesses. Ça me plaît pas du tout. On va mettre ça là. Et ça me plaît pas du tout parce qu'on va prendre extrêmement. On va prendre beaucoup de dégâts sur ce play. Ouais, je peux prendre calme-toi, frérot. Genre, je suis pas ton ami en fait. Ouais, je vois, mais comme c'est chaud comme il spam par contre. Là, je dois mettre une Valkyrie parce que sinon, on va prendre trop cher. La Valkyrie qui est pré-shoot. Enfin, j'ai pré-shoot la Valkyrie, ça c'est plutôt cool. Là, on peut mettre un PK et je pense qu'il peut aller rage-quit. Parce que là, je ne pense pas qu'il puisse défendre. On a les bats et qu'il embête beaucoup trop. Et nickel les gars, je pense qu'il avait clairement le match-up.
J'avais rien pour défendre le plus parfaitement. Enfin, si j'avais la Valkyrie, mais il faut d'un faire bon placement, faut avoir les, etc. Les réflexes, c'est pas forcément idéal. Donc voilà. Ok, donc là on a un bon gros coffre de merde, c'est sympa. Ok, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On tombe sur un monsieur asiatique, donc genre asiatique. Dernière game avant ce défi Aesir x3, les gars. Pour le deck, par contre, pour le deck, enfin le défi infini d'Elex, je pense que c'est très compliqué de le faire avec mon deck. On va essayer, les gars. Nous, on fait, j'ai dit, je fais le défi avec un deck et voilà. Ok, merde, j'avais pas vu le cimetière là. Ok, donc là notre PK qui va se faire normalement déglinguer. Ok, ça va en fait, ça va. C'est chill, comme dirait LP. Et je nous joue un deck spawner le monsieur. Ça m'arrange pas ça. Donc, c'est moi qui voulais jouer PK MK là. Oh, je vais le buter, les gars. Eh, il va me casser les couilles. Parce qu'au moment où je vais mon PK, voilà, ça c'était sûr, mais sûr à 1500%. Là, ça prend d'abord l'aggro. Ouais, nickel, parfait. Là, je vais devoir mettre une Valkyrie. Ouais, il vient de se faire défoncer mon PK. J'ai jamais vu ça. Là, on peut repartir sur un cimetière. Par contre, s'il spam comme ça, je vais l'insulter. Là, on a un électro-sorcier qui va malheureusement se faire dépop. Là, ok, là, on fait pas mal de dégâts. Le gars joue PK MK cimetière avec un deck spawner. Je vous avoue, c'est pas ouf. Il va nous prendre la tour en plus. On est vraiment pas loin quoi, là on est à deux doigts de la tour. Ouais, là je pense que c'est, je peux pas gagner. Normalement là il a clairement le match-up avec son deck de mort là, son deck de fils de pute. Je sais même pas quoi faire là. Je sais même pas quoi gel. Il y a trop de trucs en fait, c'est perturbant. Là on va mettre un joli zap, on va mettre un électro-sorcier avec une Valkyrie. Ok, là on va repartir sur un PK les gars. On va spam le cimetière comme Jaja. Voilà, là on a le gel. Sorcier qui fait un très très beau clean. Notre sorcier qui fait aussi un beau clean. Les gars, là par contre on va gel. Je ne veux pas prendre de risque, on prend la tour. On va mettre un PK. Un sorcier avec une Valkyrie. Maintenant faut plus que je perde de tour. Maintenant, bah logique, sinon je pense en vrai j'y lose. Déjà que le match-up est, je pense, assez compliqué. Là, on va juste. Ok, j'ai bien. Là, j'ai mis bien pré-shoot. Attendez qu'ils mettent un PK et pas un MK, mais c'est pas grave. En vrai, j'ai bien pré-shoot, ça me va. Là, on va mettre un électro-sorcier, un sorcier. Il faudrait que j'essaie de pas jouer ma Valkyrie. Ça va être chaud, mais il faut que j'essaie. Je vais recycler un PK, ça c'est cool. Là, on va mettre des bats. Pour battre un max. Par contre là il spam beaucoup là, non? Mais vous trouvez pas les gars, il spam beaucoup là? Les gars, là on a deux sorciers. Je pense en vrai ça peut faire le taf. Faudrait que ça clean tout, je vais mettre une Valkyrie. Là j'ai pas trop le choix, je vais protéger tous mes sorciers. On va remettre un PK ici. Les gars, là on spam bien là. Là je pense là. Est-ce que les gars, est-ce que j'ai mon diplôme de spam? Est-ce que j'ai mon diplôme de spam les gars? Là faut absolument pas que je joue la Valkyrie. Là c'est le moment, je pense que c'est le moment ou jamais là où faut que je prenne la tour. D'abord mettre un PK pour être sûr, ok, de prendre zéro coup. Et là les gars c'est le moment de spam, c'est un autre tour de spam, nickel. En plus il met une cabane, ce qui va permettre de retenir nos Valkyries. Il a quoi pour défendre? Il a juste un PK. S'il met juste un PK, il a lose. Hein. Ah, une internet, ça va être chiant ça. En vrai là on défend plutôt bien, je suis assez content. On a fait une seule attaque, on a quasiment rattrapé tous les points de vie qu'on avait perdus. On va remettre un PK les gars. On va zap tout ça. Nickel. Et là, je pense qu'on va continuer à spam. Tac. On remet ça là. On remet ça ici. Tac. Voilà. Là, on peut mettre un beau gel. Faut pas que j'oublie le PK parce que le PK. Non, 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 non. Pas maintenant, Francis. Francis, Francis, déconne pas. Ouais, alors là, je pense. En vrai, il y a moyen, je lose. Hein. Ouais, je lose. Non, mais frère, j'avais trop bien joué. J'avais pas vu son PK à gauche. Mais c'est quoi son deck de cancer aussi? Non, mais là, c'est un scandale, les gars. C'est un putain de scandale. On tombe sur un mec asiatique JR de Scarlet et Mirage.
Ok, donc là, on prend. Ok, cabane de barbare. On dit pas qu'il joue en deck spawner, sinon je vais le buter. Hein. Ça va être sûrement deck géant royal ou golem. Ouais, avec un zappy, j'ai oublié de préciser ce détail. Ouais, nickel ce qu'il vient de faire. Ça, c'est joli ça. En vrai, je pense que je vais juste garder mes bats. Ouais, je pense que ouais, ça c'est good. Par contre, c'est un cancer, les gars. On est tout à fait d'accord que c'est un putain de cancer. Faut que je mette ça. Putain. Ah, le zappy qui casse les couilles, hein, vraiment. Ah, l'extrasensé qui fait de bons dommages. Là, on va mettre une petite Valkyrie. On va zap. Trop tard, ouais, trop tard, beaucoup trop tard. On va remettre un PK fond de map. Ok, pour l'instant ça va, pour l'instant ça reste gérable. Le sorcier qui va faire le taf, là on peut mettre ça comme ça. Ouais, il spamme beaucoup, hein. Il spamme beaucoup le monsieur. Ok, là normalement ils ont tous une tornade en plus, ça c'est assez chiant. Là je vais mettre un gel les gars, parce que sinon mon PK va se faire déglinguer. Non mais frère, ça va 2 secondes, je suis d'accord, je suis sympa, je suis sympa. Je suis sympa 2 secondes, mais. Wesh, mais c'est quoi ça? Mais. Et les gars, non, mais c'est grave, mais regardez-moi ce spam! C'est incroyable ce putain de jeu de merde là. Allez, niquez-vous. De toute façon, là, je vais devoir un gel, hein, j'ai pas trop le choix, écoutez. Je vais mettre un sorcier. De toute façon, le sorcier là qui va tout clean normalement. Sorcier, très très bonne carte défensive, hein. Franchement. Beaucoup trop sous-estimé. Ok, normalement là c'est good. Là on peut remettre un cimetière. Ah, il a un deck de fusée, putain. C'est incroyable ça. Nickel. Voilà, il est sympa le monsieur là. Là il va nous donner la tour là. Je sais pas quoi jouer là. Je vais mettre ça et je joue des roquettes comme ça, d'accord. Donc le gars là tu vas me dire, il a squelette géant, zappy, miroir, roquette, genre. Ah ouais. Il a vraiment une sale gueule, hein. Ah les gars, tous les vrais, mettez hashtag sale gueule. Alors zappy là, faut qu'il tape, ok. Mais si roquette sa gueule, là il aura pas le temps, même 2 roquettes, ça fait pas 500, ça fait pas 1100 de dégâts. Okay. Ouais, je suis bien là. Je suis bien, je suis bien, je suis bien. Ouais, sauf s'il fait ça là. Oh là là, mais ce sorcier! Ouais, j'ai l'eau son sorcier. Hein. Je pense que là, son sorcier, il me restait plus que mes yeux pour pleurer. Ok. Via thème de ce défi, les gars, on a un coffre géant, la X-Bow, la boule de feu, les archers, c'est cool. J'ai bientôt pour les max. Et du Hog Rider, c'est cool parce que je pourrais bientôt jouer le 2.6, les gars. Bah, va faire ce dernier défi qui est très très value, les gars, simplement. Et je pense, en vrai j'ai testé mon deck, mais je l'avais déjà testé pour le défi de la victoire. Je m'étais fait éclater, hein, mais bon, ouais, t'es bien tenté. Bon, là, les gars, c'est celui qui se perd le mieux à gagner. Ah oui, d'accord, lui, il n'a pas le temps. D'accord, donc lui, il n'a pas le temps. Au cas où, je crois qu'il sait pas, les gars, faut lui dire, hein, mais je crois qu'il sait pas. Il sait pas que c'est. Merde, je vais pas faire ça, mais je suis emboulé. C'est incroyable comme il spam. Ok, bon là, dans tous les cas, on a juste à spam aussi. Là, faut juste que je prenne 0 dégâts. Hop, voilà, nickel. Là. Ok, là, en vrai, je pense qu'il y a moyen de win. Là, je pense qu'il faut que je mette un joli zap. Et les gars, on part sur cette première win. Voilà, là, ça va être rapide en fait. Ça va être plutôt rapide. Ouais, mon deck est chaud, surtout si les gars, je fais des decks comme ça. Ça va être compliqué, hein. On entend un petit peu de deck, ah, sale gueule. Hein. Lui il avait vraiment une putain de sale gueule, genre c'est incroyable. Ok, bon. On continue le défi les gars. On s'arrête pas là, toujours plus lent, toujours plus fort. Et c'est parti. C'est incroyable ça. En plus il a le poison. Là je crois qu'il y a tout le monde qui veut jouer. Ok, bah nickel, il vient faire ça c'est cool. Les gars, là on a un beau freeze. Ouais, nous on continue à spam. Hein. Nous on s'arrête jamais de spam, les gars. On met un autre cimetière. On remet un autre PK. On remet un autre freeze.
Et les gars, on va partir sur cette deuxième win. Les gars, si je rigole, si je vais un peu, parce que bon, si vous voyez la gueule des gars aussi, ils jouent full sort, genre, nique ta mère à la fin, je joue des vrais decks, quoi. Ok, nickel. 2000 pièces, les gars, pour pouvoir améliorer mon sparky niveau 12. Ok. Wesh, ils ont quoi là? Oh, c'est chaud les decks que je me tape. Hein. Non, mais tu vois qu'il a pré-shoot là. Oh shit. Et là, un squelette géant, ce gros fils de pute. Arrête de spam là, frérot. Stop le spamming. C'est drôle 5 minutes le spam, mais là, c'est plus drôle, genre. Bon, on va tenter de pré-shoot à chaque fois, les gars. Et on va gel tout ça. On va mettre un deuxième PK. On met un Newiz. Ah, il va win. Putain, mais fils de. Oh oui. Attends. En fait, il y a moyen. Il y a grave moyen, les gars. Il y a grave moyen. Allez, on zappe. Non. Sale fils de. Putain, vas-y, frère. Il rend fou. Ils ont quoi, là, avec leur full sort, là? Nique ta mère, à la fin. Ils devraient interdire les sorts dans ce mode de jeu, là. Genre les gros sorts. Mais regarde, si je joue full sort encore, je vais vraiment péter un câble. Ah non, lui joue une ouf. Ouais, je veux pas vraiment des techs de merde. Hein. C'est incroyable. Hein. Bon bah, je pense que je joue les gars. Ils jouent Gun d'Elixir. Enfin, Gun d'Elixir soit déjà. Nouvelle méta. C'est cool. Hein. C'est vachement cool. On kiffe le concept avec une roquette, évidemment. Toujours plus, hein. Comme on dit dans le jargon. Je peux rien faire, mais. Je vais déjà le défensif, mais ma défense ça va pas tenir très longtemps. Elle est pas très solide, ma défense. Hein. Juste expliquez-moi le concept d'Elixir Infini. Genre, à part spam, déjà que c'est une méta spam. Là, les gars, on est en ladder. Voilà, ah, c'est bien hein, le jeu. Hein. J'aime bien le ladder. Ah, mais frère, mais il fait que spam. C'est incroyable ce jeu. Il nous donne 1 milliard d'Elex et je peux rien faire. Hein. C'est vachement cool le jeu, j'aime bien. En plus il défend Osef tous mes push, genre c'est incroyable. J'essaie de faire du mieux que je peux les gars, mais c'est pas bon, les sorciers, la vie de ma mère c'est la meilleure carte du jeu. Regardez-moi comme ça clean tout genre. Ah mais je peux rien faire. Il y a 3 gars de l'élect, vite ta mère. Genre, on va bien te faire foutre. Bon là on est pas mal là je pense niveau spam. Voilà. Bon gros fils de pute là. Allez c'est parti les gars. On continue. SK les gars c'est parti. Tac tac tac. Ah ils ont Mes frères mais j'ai pleuré mais c'est bon. Niquez-vous avec vos poisons genre vraiment. Mais quoi? Mais regardez-le là, déjà ça y est. Bon, on va à Gilouz, les gars. GG, super combat. C'était sympa de jouer. Clash Royale, bon jeu. Et je peux rien faire, mec. Il spam. Ça y est, il va spam toute sa famille là. Et encore là, j'arrive à peu près à défendre. Hein. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que là, j'arrive à peu près à défendre. Et encore, je vais perdre ma tour là. Si j'arrive à défendre, les gars, en fait, vous m'offrez tous 10 balles, voilà. Et ouais, c'est incroyable de spam par contre. Ok, c'est parti, on gèle, go. Là, normalement, on va tout. J'ai perdu ma tour, mais voilà. Allez, ça spam de l'autre côté. Zébardi. Mais eh oui, mais. Il y a trop de trucs de chaque côté là, moi je peux pas m'occuper de tout là. Le gars, il a 3 archers magiques, hein, je tiens à préciser. Il a 3 archers magiques. Et ça y est, ça spam. Là normalement le sorcier qui va faire pas mal de value. Hop. Je peux rien faire. Alors c'était du full sort et ensuite c'est des decks comme ça. Ouais, c'est cool hein. Bon les gars, je pense que j'ai une petite idée, on va créer un deck là. Vas-y, la place de quoi? Place. Vas-y, la place de 2.6. Alors. Déjà, je vais mettre des cartes, elles sont obligées. Sorcier de glace, ça c'est sûr. Ensuite, on a.
Le bourreau. On a les flèches chasse. On a la tornade. On a le sorcier. On a la valkyrie. On a le hunter. Et pour finir, on a une armée de squelettes, tiens. Bon, même si on n'a pas de condition, les gars, c'est pas grave, parce que là, c'est juste je dois vous dire que... Bon. C'est parti, c'est parti. Ok, je joue un deck molosse, pourquoi pas. Bon, on est juste d'accord que si je joue une boule de feu, j'ai perdu. Hein. Alors, finalement, quand je dis ça, je joue boule de feu. Ah, bah, c'est cool, ça, c'est un bon jeu, hein. Nous on va spam flèche tornade les gars. Je vous le dis, on va spam flèche tornade. Voilà, je pense c'est quasiment impossible que je lose. Genre là normalement j'ai pas d'excuses les gars, j'ai pas d'excuses. Là par contre en vrai juste pas une punition, ça c'est le seul truc je pense qui est un peu éclaté au sol. On va partir sur ça. Tac tac tac, nickel. Bah vous continuez à spam en fait genre. Contre le gars, la tornade là, ça me plaît pas trop tout ça. Je s'y mets des boules de feu ultra value. Ça me plaît pas du tout ça. Okay, on va remettre ça. On va remettre une Valkyrie. Attendez, on va essayer de faire ça. On va tenter de mettre une armée squelette. C'est incroyable hein, ce jeu quand même. Ah, le gars il a pris une tour, hein, juste avec des boules de feu. Non, mais vous êtes au courant que là je me prends des gun depuis tout à l'heure. Et là, il n'y a personne qui a des sorts, etc. Et là, premier, quand je change de deck, le gars il a quoi? Boule de feu, zap, boule de feu, flèche, poison. Genre, quand même. Bûche, poison, je veux dire. On va tenter des trucs, hein. On va tenter de spam de l'autre côté, mais bon, là je pense que c'est loose. Mais ouais, il y a une bûche, frère. Ah mais c'est incroyable ce jeu hein, les gars. Regarde là par exemple tu vois je pourrais défendre, je mets juste ça, je mets une tornade et des flèches, et là il y a tout qui est défendu, hein, vraiment, c'est pas une blague, regardez, hop là, voilà, sorcier qui clean absolument tout. C'est juste incroyable, hein, mais je peux pas passer, genre le gars il a fait comme moi, il a mis 38 sorciers, il a fait ch'ta, et c'est un aiglo. Sauf que lui il a un tank, comparé à moi. Et en fait, de base, le deck que j'ai créé, je l'avais déjà fait, je l'avais déjà testé. C'est contre tout ce qui est golem d'élixir. Si le gars a pas boule de feu, il a perdu. En vrai, le deck est bien, hein, mais faut juste que je mette un win condition, quoi, c'est tout. Oh les gars! Oh, je veux trop tenter un truc. Ouais, non, en fait. Enfin, je sais pas si je tente en vrai. Ouais. Ah non, on va pas tenter parce que. Je voulais jouer Arkix, les gars, mais En vrai, j'ai serré pour la dernière. Bon, ok, les gars, je sais pas, la dernière win. Ok, je joue game d'extérieur, vas-y, là on a win. Là j'annonce on a win. Parce qu'en fait, là le but c'est pas de passer, c'est juste qu'il va abandonner normalement. Parce que là je me demande comment il va passer, hein, juste. Là ce qu'on va faire c'est tornade flèche et hop là les gars. C'est une free win. Non mais là je vous le dis, voilà. Ce que je vous expliquais, c'est que là il passe comment, genre. C'est n'importe quoi ce deck. Les gars, ouais, alors là, niveau spam, je pense que j'ai fait un record du monde là. Ah, ça fait. En vrai, je prends un screen quand même. Ok. J'ai fait Maestro, très bien. Il joue full sort. Ah, je voulais dire un truc, ça m'arrange pas. Je pense full sort c'est chaud en vrai. Je sais pas trop. En vrai si je fais que défendre. Ah non il a food, il a. Oh. Allez, tire food toi. Est-ce qu'il défend? Ça, c'est la... En fait c'est la question que je me pose, c'est est-ce qu'il défend? Oui, il défend à moitié.
Et ouais, je sais pourquoi ils continuent à mettre des roquettes comme ça là. Mec, oh, il y a un autobus qui arrive sur toi là, frérot. Essaie de gagner du temps avec le gel, enculé. Il n'y arrivera pas. J'ai win. GG. Ok, les gars, on va tenter l'arc X. On va tenter l'arc X. La vidéo est déjà plutôt assez longue. J'ai tenté l'arc X. Je vais spam. Il va y avoir 38 arc X sur la map là. Un plaisir. Hein. Attends, je vois, c'est quelqu'un qui est co. Encore quoi, encore. Faudrait aussi trouver un arc X. Attends, c'est des communs. Allez, c'est parti, global. Il y en a bien qui jouent arc X là dans le. Dans le jeu là en TV Royale, je pense qu'il y en a bien qui jouent arc X en TV Royale. Hop, merde. Putain, c'est mon deck, ça, bon, tant pis. Je le referai après. Vas-y, les gars, on va tenter cette n'importe quoi. Hein. Allez, c'est parti. Ah. Nice. Ah, mais à chaque fois, s'il fout de mes archers, ça va me faire péter un câble. On va remettre des bûches. Oh, de toute façon, j'ai un petit peu bûche illimitée, genre. Boule de feu, voilà. Allez, on met des arcs X un peu de partout, les gars. Bon, tu vas spam les cimetières, ça m'arrange pas. En vrai, je vais mettre juste maintenant des trucs défensifs, hein, en vrai. En soi. Bah non, faut que je fasse un troisième tour, parce que là, il va finir avant. Attends, sinon. Ouais, c'est impossible de gagner, là. Attends, je vais mettre des Tesla, là. Des bonnes grosses Tesla, là. Non mais. Non mais vas-y. Mais ouais mais si. En fait je pense je peux pas gagner. Attends, je vais tenter. En fait, je pense les. Avec l'arc X ça va être pas possible de gagner. Par contre si je mets. Si je mets un bourreau la place des archers. Et je mets la place des archers là sur une tornade, ça peut se jouer les gars. En vrai ça peut se jouer parce que. Ça peut jouer. En vrai ça peut grave se jouer. Ok, c'est parti. Alors, qui c'est cela, les gars? Ah, il va spam, il va spam, il va spam, les gars. J'ai une défense vraiment qui est assez solide. Normalement, ça devrait aller. Si je spam un peu les archiques, ça peut le faire. Les Tesla aussi, je pense. On va mettre ça là à chaque fois. À chaque fois, je pense qu'on va faire boule de feu. On va mettre des bûches aussi. On va mettre des Tesla. On va remettre. Tornade Fireball, on va remettre des Arc-X comme ça en mode YOLO. On va remettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça. En vrai, là, je pense que je fais des plutôt bonnes défenses. C'est assez cool. On va remettre des Arc-X. Je pense en vrai, j'ai une défense plutôt assez solide. Si je fais pas de la D, normalement, je peux gagner. Si je fais pas de la D, je peux gagner. Falloir que je commence à cycle les sœurs par contre. Non, c'est mon ami l'Arkisco. Cool. Tac, nickel. Là, on a bûche. Tac, on met. Et là, on va partir sur du full Arkix défensif, les gars. Tornade Fireball, les gars. Tac, voilà, j'ai 3 Arkix. J'ai 4 Arkix, les gars. Je vois pas trop comment il peut passer. C'est n'importe quoi, ce jeu. Ah, ça me fume, genre. Allez, hop, c'est parti. Tac, allez. On remet des Arkix, les gars. Toujours plus d'Arkix. Dites-moi les gars si je suis un bon spammer. Il passera jamais. Il peut spam tout ce qu'il veut, il passera jamais. Allez les gars, on met des Arc-X. On connaît la technique. Il va retenter un gros push. Allez, c'est parti. On remet des bourreaux. On remet des Arc-X. Toujours plus les gars. Allez, hop. Tornade, tac, plus une bûche. À chaque fois. Allez les gars, là j'ai construit le mur de Chine. Non. La muraille de Chine, les gars. Je pense en vrai, c'est quasiment impossible que je lose là, si. Sauf s'il se spam vraiment, vraiment bien. Mais là, je vous avoue, je sais même pas comment je fais pour tenir. Parce que là, il commence à vraiment bien spam. Et ça commence à devenir assez chaud de défendre. Faut mettre vite des Arc-X, le bourreau, la tornade, la boule de feu. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il nous donne beaucoup d'élex à chaque fois. Je pense que c'est ça qui va nous faire gagner. C'est qu'à chaque fois, il nous redonne de l'élex. Donc, du coup, je suis quasiment jamais à court. On va remettre ça là, tac, fireball, hop, nickel, on remet une Tesla, on remet un Arc-X, on met un bourreau, on remet ça, on met ça. En fait, il va me finir la tornade là, c'est moi. S'il me finit la tornade, les gars, j'ai 12 ans, hein, j'annonce.
Et à finir à temps à s'enculer. Faut pas qu'il puisse. Les gars, on a gagné une game à l'Arkix. On a gagné game à l'Arkix, les gars. 50 HP, par contre, c'est chaud. C'était chaud là. C'était chaud de Narites. Ok, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et ciao.